Angelina Jolie, virée shopping avec sa fille en pleine pause dans son cursus universitaire. Dans un look très chic, notamment composé d'une longue veste noire assortie au reste de sa tenue. Angelina Jolie a profité d'une belle journée ensoleillée pour partager un moment de complicité avec sa fille Zara. Ce lundi 12 décembre 2022 à Los Angeles. Une virée shopping, visiblement, pour mère et fille. Puisque l'actrice de 47 ans portait un grand sac de vêtements neufs dans sa main gauche. L'adolescente avait quant à elle opté pour un style plus casual. Cette dernière qui, d'ailleurs, doit probablement être en vacances ou dispensée de cours quelques jours puisque, pour rappel, elle étudie désormais au Spelman College, à Atlanta, Géorgie. Un établissement d'art très prestigieux, qu'elle a intégré cet été, devant sa maman, qui s'était alors montrée très émue. « Je ne vais pas encore pleurer. Je suis tellement excitée. » Pouvait-on l'entendre dire dans une séquence partagée par eux. News sur Twitter. Style diva place holdé à 1 et à 1, 8 300 px, minimum et 250 px, at media screen end, minimum 8 990 px, div. A place holdé à 1 et à 1, 8 620 px, minimum et 350 px, style. Quelques jours plus tôt, la star de Maléfique avait annoncé sur Instagram l'admission de sa fille dans cette université très réputée. C'est un honneur de compter un membre de la famille parmi les nouveaux élèves de Spelman. Félicitations à toutes les nouvelles étudiantes qui débutent cette année. Style diva place holdé à 1 et à 2, 8 300 px, minimum et 250 px, at media screen end, minimum 8. 990 px, div. A place holdé à 1 et à 2, 8, 620 px, minimum et 350 px, style. Un endroit certes reconnu pour ses qualités d'enseignement, 76% des étudiantes qui y ressortent diplômées de leurs études, mais qui s'avère également être symbolique pour Zara. Car Spelman est le leader mondial de l'éducation des femmes d'origine africaine. Et pour rappel, Zara est originaire d'Éthiopie. Elle y est née en janvier 2005. Avant qu'Angelina Jolie et Brad Pitt, dont l'actrice est désormais séparée, ne se proposent pour l'adopter. Et malgré le fait qu'elle ait quitté son continent natal très jeune, elle est toujours restée fière de ses racines. En témoigne sa rencontre en 2020 avec Sahle Work Zewde, la première femme présidente du pays. C'est donc avec beaucoup de joie et d'excitation qu'elle rejoignait cette fac cet été. De quoi rendre fière sa mère mais également l'attrister, car il n'est jamais facile pour une maman de voir son enfant quitter le cocon familial. D'autant plus qu'elle avait déjà vécu cette situation avec son aîné Maddox, parti étudier à Séoul. Mais Angelina Jolie et Zara se sont retrouvées à plusieurs reprises depuis, que ce soit en octobre, à New York puis au sein même de l'établissement où l'adolescente étudie, ou donc ce lundi pour une activité shopping à Los Angeles.